Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai 2024. Il est présentement 15h03. Puis nous allons faire un trajet de métro de la station Radisson jusqu'à la station Henri Bourassa. Sans plus tarder, commençons. Le train passe dans 2 minutes. Troisième train. Il y a une demi-heure.
En face, c'est le 66e train. Avant, il prononçait cette station Cadillac, maintenant il la prononce avec Cadillac. Mais je pense que ça change pas grand chose, les deux sont corrects.
Station Papineau.
station Avignon. Le sixième train. Évidemment qu'il y a beaucoup de monde, c'est la station la plus achalandée de tout le réseau. C'est le 17e train. Passerons maintenant au quai de la ligne orange.
y a beaucoup de monde sur le quai en direction Montmorency. Le 33e train en direction de Honoré-Beaucamp. Je verrai si on embarque ou on attend le prochain train. Le 53e train en Zurich. Prochaine station, Sherbrooke. Thank you.
Royale. Le 54e train à Azur.
pantalon. J'aime beaucoup la station Crémazie, hein, avec le fait que ça soit une très grande station ouverte. Puis qu'il y a une belle œuvre d'art. Et ces belles tuiles et carreaux. Thank you.
station Sauvé. On débarque à la prochaine station. Prochaine station, Henri Bourassa. Ici parce qu'on change de voie. On s'écarte de la voie principale qui est utilisée par les trains qui terminent à la station Henri Bourassa. Mais nous, nous allons sur le quai en direction Montmorency qui est séparé, inauguré en 2007. Henri Bourassa. Ouverture des portes de l'autre côté. Continue son chemin vers Laval. Sa prochaine station est Cartier. Il quitte l'île de Montréal. Nous allons sortir de la station puis le trajet sera terminé. On a une très belle œuvre d'art moderne ici, avec des boutons de lumière qui clignotent et qui changent de couleur. On en a une autre.
on s'est testé, les mécaniques est défectueuse. Ou quelqu'un a appuyé le bouton d'urgence. Et voilà, ça conclut notre trajet de métro de Radisson à Henri Bourassa. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur des réseaux sociaux ou dans les commentaires de d'autres vidéos des autres personnes. Et à la prochaine!